Autre mouvement de protestation, celui du personnel de l'établissement pénitentiaire pour mineurs situé à la Valentine. Les agents ont bloqué les entrées de l'EPM ce matin pour protester contre l'agression d'un agent survenu dimanche dernier et pour dénoncer la surpopulation carcérale. Ils ont choisi de se mobiliser aujourd'hui, jour de la visite du contrôleur des prisons. On écoute un représentant de la CGT au micro de Clément Bertrand. L'action de ce matin avait pour but essentiellement d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le remplissage absolument ahurissant de cet établissement et ses conséquences en matière de sécurité. Sécurité pour les détenus, sécurité pour le personnel, sécurité pour l'établissement. Plus aucun travail n'est possible. Mais les conséquences, par exemple, c'est dimanche dernier, un surveillant qui se fait agresser par un détenu, excédé par la surpopulation, excédé par le fait de dormir par terre, et bien on se retrouve avec un collègue à l'hôpital avec une triple fracture de la clavicule.